Cette déception pour les organisateurs du festival de street art Just Do Paint de Saint-Brieuc. Ils ont dû annuler 18 fresques sur les 27 programmées, faute d'autorisation de la part des Bâtiments de France. Catherine Bazzi et Jean-Marc Sagné. m² de libre expression à ciel ouvert, c'est l'esprit du festival Just Do Paint. En 3 éditions, des dizaines de murs comme celui-ci ont repris des couleurs à travers la ville de Saint-Brieuc. Mais cette année, le festival s'est vu refuser 18 façades par l'architecte des Bâtiments de France. Alors là, c'est typiquement le genre de façade sur lesquelles on aimerait intervenir et cette année sur lesquelles on a eu un refus. On avait une convention de signer avec le propriétaire, on avait déjà une programmation calée dessus. Et puis on a eu un refus, et ce qu'on déplore, c'est qu'on a un refus, mais sans explication. Pour Émilie, qui avait confié le pignon de sa maison au festival de street art, et faisait donc partie de la programmation, c'est l'incompréhension. C'est une grosse déception, déjà parce qu'on trouve le projet vraiment très intéressant à Saint-Brieuc. C'est quelque chose qui prend de l'ampleur, qui amène l'art dans nos rues, et on trouvait que dans ce quartier-là, c'était intéressant. Sans rien savoir de l'artiste ni de l'œuvre à venir, les propriétaires sont de plus en plus nombreux à proposer les murs de leurs habitations au festival. Une carte blanche qui pose question en revanche à l'architecte des Bâtiments de France et à la ville de Saint-Brieuc. Concilier patrimoine historique et street art est au cœur des discussions. Ça doit nécessairement passer par le dialogue et par le fait que chacun accepte à un moment donné une part de contrainte, de faire un pas, tout en assumant la liberté de choix, la liberté de créer des uns et des autres. La crise sanitaire n'a pas facilité le dialogue. Cette fois, les organisateurs ont dû annuler une partie de la programmation. Maintenant, on se rend compte aussi que c'est un débat national et qu'on n'est pas les seuls à avoir des problèmes avec les ABF, avec les Bâtiments de France. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas embellir nos villes avec de l'art et des belles fresques ? Le débat est ouvert. La 4e édition du festival Just Do Paint devrait se tenir du 1er au 4 juillet prochain.